On me dit que des soldats ivoiriens se sont rendus au Mali dans le but de faire un coup d'État. Les gars, aller à l'école est bon, hein? Aller à l'école, là, c'est bon. C'est-à-dire, quand on dit aux gens, aller à l'école, ils ont l'impression qu'on les insulte. Non, aller à l'école, c'est bon. Hein? Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que des gens savent ce qu'on appelle un vol? C'est-à-dire, quand un avion quitte son pays pour aller dans un autre pays, il y a ce qu'on appelle toutes des procédures. On sait qui vient, quand il vient, à l'heure à laquelle il arrive. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, des soldats quittent leur pays dans un avion. Ils atterrissent à l'aéroport d'un autre pays dans l'avion. Et ils viennent faire un coup d'État. Les amis, je vous en supplie, on respecte le Mali. On soutient le Mali dans sa révolution, mais prenez-nous au sérieux. Même quand on veut faire la marmaille, quand même, venez voir les professeurs de la marmaille. On va vous enseigner comment faire la marmaille. Pour des soldats ivoiriens qui ont pris un avion et sont arrivés au Mali, à l'aéroport du Mali, ils ont été arrêtés. Quand on vient faire un coup d'État, on passe par la bouche. Depuis qu'on vient faire un coup d'État dans un pays, et puis on atterrit à l'aéroport de ce pays, dans un vol régulier qui donne toutes les arrêts, toutes, je peux le dire, arrêt à tout informé. Toutes les procédures sont respectées, soyons sérieux. Moi, j'aimerais demander au gouvernement ivoirien, en toute humilité, de retirer à jamais nos soldats de cette force africaine dans le but de pouvoir maintenir la paix au niveau du Mali. Qu'on retire nos soldats et la totalité de nos soldats, parce qu'on peut pas, on ne peut pas manquer de respect au président de la République et à tout un pays, à chaque groupe. Quel intérêt que la Côte d'Ivoire a au Mali à pouvoir déstabiliser le Mali? D'abord, soyons sérieux. Quelle richesse la Côte d'Ivoire vise au Mali que nous n'avons pas en Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Nous cessons ces genres d'allégations, ces genres de manque de respect qui crée des tensions entre des pays. Nous avons aujourd'hui la date des élections au Mali. Nous prions pour le peuple malien, mais il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on respecte notre intelligence. Conan, il y avait des soldats, des forces spéciales et autres. Quand vous demandez, vous donnez l'autorisation aux pays africains de monter une force pour votre pays, c'est normal que tous les différents pays fassent le sacrifice, payent des soldats dans le but d'aller vous soutenir. Si vous ne voulez pas des soldats africains, vous dites on ne veut pas des soldats de la CEDEAO, c'est qu'il est chez lui. Mais qu'on respecte quand même notre intérêt, qu'on ne peut pas pour des abrutis, qu'on ne peut pas pour des ignares. Depuis qu'on a fait un coup d'État déstabiliser un pays en prenant un avion pour descendre à l'aéroport de ce pays, vous pouvez monter ça où dans l'histoire de ce pays, dans l'histoire de l'humanité? Soyons sérieux. Je répète, soyons sérieux. Les soldats ivoiriens, de la manière dont ils sont venus là, on les ramène en Côte d'Ivoire. Et puis chaque pays se débrouille dans sa merde. Point barre. Ça, il faut que le président de la République, Alassane Ouattara, le comprenne.